Alors, je suis avec Zoé de l'atelier 59 Rivoli pour lui poser quelques questions, qu'elle nous explique comment ça s'organise et d'où ça vient cette idée de faire une sorte de gros collectif d'artistes. Alors, le 59 Rivoli, c'est une association qui existe depuis 99. En fait, ici, avant, c'était les anciens locaux du Crédit Lyonnais qui étaient vides depuis une dizaine d'années et qui ont été squattés par trois artistes qui étaient Gaspard chez qui on est là, c'est son petit musée. Ouais, voilà, avec un décor assez exceptionnel. Assez chargé, on va dire. Il y avait qu'Alex et Bruno qui font plus partie de l'association. Donc, voilà. Ça faisait le groupe KGB. Et ils l'ont squatté jusqu'en 2004. Et en 2004, en fait, ça a été racheté par la mairie de Paris. Et donc, c'est un squat qui n'est plus vraiment un squat. On appelle ça l'after squat parce qu'il est financé en partie par la mairie de Paris maintenant. D'accord. Voilà, et ici il y a à peu près maintenant une trentaine d'artistes, dont 15 sont les artistes d'origine du squat, et il y a 15 résidents temporaires qui tournent tous les ans à peu près. J'aimerais savoir aussi comment vous trouvez les artistes, et d'ailleurs si c'est vous qui les trouvez ou si c'est eux qui viennent d'eux-mêmes. Non, c'est plutôt des demandes extérieures, et après il y a des commissions, on se réunit pour choisir en fait les dossiers. Il y a une volonté de garder un espèce d'éclectisme qu'on a ici, avec des gens qui viennent de plein d'horizons différents, qui sont pas dans un art très conventionnel, qui sont souvent un peu en marge plastiquement. Mm-hmm. Beaucoup de demandes ? Ah oui, il y a beaucoup de demandes. D'accord. Mais je pense qu'on est à deux demandes par semaine. Ah oui, d'accord. Donc le lien du site dans la description, évidemment. Voilà. Une autre question, ce serait comment vous communiquez avec l'extérieur ? Alors, il y a toutes les plateformes de communication classiques. Tu peux mettre les liens, Facebook, la page, Instagram. On a une chaîne YouTube, qu'on est en train de revoir un Twitter. Et on a une mailing list avec un MailChimp, voilà. Ok. J'aurais voulu poser une question à propos du public. Est-ce qu'au niveau du public, il y a des gens qui, par exemple, font des remarques du style « Ah, c'est de l'art, j'aime pas ça ». On voit souvent des gens qui disent « Ouais, mon petit frère a pu faire la même ». Alors oui, un petit peu, ça il faudrait surtout demander aux artistes parce que moi ils me questionnent peu sur mon travail. Après, quand les gens viennent ici, ils savent très bien, je pense que dès l'entrée c'est assez clair en termes de com, on sait où on met les pieds, ils savent à peu près le genre d'art qu'ils vont voir, donc il n'y a pas trop ce genre de questions. Il y a beaucoup de questions financières sur est-ce que vous arrivez à gagner votre vie en faisant ça, est-ce que vous habitez ici, alors non, personne ne dort ici, est-ce que ça vous prend du temps, enfin voilà. Plus des questions d'ordre technique comme d'accord. Ça et financière. Justement, une question d'ordre financière, est-ce que c'est votre activité principale de... Moi ? Oui. Alors moi ici, je suis en service civique, voilà, système service civique. Et non, à côté, je suis scénographe et je suis encore des études. Ok. Et pour les artistes qui sont résidents, est-ce que du coup, c'est leur métier ? Oui, pour la plupart, ouais. Après, il y en a toujours qui font des petites choses à côté, mais il faut savoir que les artistes qui sont résidents ici, c'est aussi une vitrine, mais qui font des expos à droite, à gauche. C'est comme un artiste classique. Ça reste un atelier, en fait. Ça reste un groupement d'ateliers. Ok, d'accord. Eh bien, merci beaucoup. Ouais, je t'en prie.